Un mot pour décrire l'OM. Bah, je vais te donner plus qu'un mot. Je vais te faire une comparaison, d'accord? Je vais te faire une comparaison, regarde. Le PSG, c'est à l'image de Léo Messi. Ça veut dire une équipe de GOAT, c'est un GOAT. Le PSG, c'est les GOAT qui ont connu des désillusions, des moments un petit peu compliqués, mais qui continuent de faire vibrer et de faire rêver tout le monde, même quand ça va pas. Donc le PSG est bien résumé par Léo Messi. Maintenant, pour te résumer l'OM, l'OM, on peut les comparer à Cristiano Ronaldo. Et la raison, elle est simple. C'est que le PSG n'a jamais connu la Ligue 2. Mais l'OM... Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up his... Et aussi, il y a des rumeurs, parce que comme d'habitude, il y a des rumeurs de Zidane qui va entraîner l'OM, etc. Les mecs, le seul Zidane que vous allez avoir comme coach, sachez-le, c'est lui. Comme ça, au moins, c'est clair. Voilà le Zidane qui va entraîner l'OM. Comme ça, c'est bon. Reste assis, ça va bien se passer. Ok, dis-là qu'on n'est pas pressé. Marseille, ils ont cette manie de récupérer les faux. Ils ont eu le faux Pelé, le faux Suarez, le faux Nuno. C'est quoi la prochaine étape, le dirigeant marseillais? Vous allez récupérer Kylian Mbappé, Léo Méfrite et Cauchemar. Ton équipe de chèvres, tu parles de Paris? On est en train de gagner 3-0, vous êtes les prochains sur la liste. T'inquiète pas, on va te botter le cul au Vélodrome. Ce sera la première fois de ta vie que t'accueilleras des stars. Ça va te faire du bien un peu. Ça va te faire du bien. On va transformer ton Vélodrome en Vélodrame, je te le dis. C'est qui va se faire taper par le Bayern à jamais les premiers? Frérot, respecte-toi. Et au moins, même si on se fait taper par le Bayern, on joue le Bayern. Toi, tu vas jouer qui en Coupe d'Europe? Le Real? Non. Le Barça? Non. Tout ce que tu vas faire, c'est regarder Paris à la télé. Tu vas regarder Paris à la télé. Déjà, en toute objectivité, hein, Marseille nous a botté le cul. Voilà. Déjà, ça va être la première chose à dire. Marseille nous a botté le cul. Marseille a été 4 niveaux au-dessus de notre niveau. Marseille nous a explosé. Regardez, je vais vous dire un truc, vous allez comprendre. Kingsley Coman, il quitte le PSG, il explose tout avec le Bayern. Moussa Diaby, il quitte le PSG, il fait des bonnes perfs avec les Leverkusen. Nkunku quitte le PSG, explose tout avec le RB Leipzig. Xavi Simons, pareil, regardez maintenant avec le PSV Eindhoven. Quand tu vois tout ça, tu dis pas qu'il y a un problème dans le club.